je te filme, puis je t'enverrai. Donc les enfants, ils préfèrent cette version-là qui est parce que c'est la plus... Un puzzle, en fait. Elle est à la fois multi-touch, multi-utilisateur. Les autres, donc là, ils choisissent les éléments. Voilà. Donc là, il y a 6 pièces. Sympa. On peut choisir le niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des pièces en augmentant la difficulté. Donc là, on remet en forme. Voilà, il faut bien remettre en forme. On peut le faire à plusieurs. On peut le faire à plusieurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Génial. Donc là, ouais, là ils en ont pour un petit moment, du coup. Voilà, et puis là, ils se battent. Non, je t'avais dit que c'était celle-là. Donc là, ils refont un puzzle sur la faune et la flore. Alors, quand tu as fini le puzzle... Ah non, moi, je suis pas très bon non plus. Hein. Non, il y a l'envers. Tu sais, on commence toujours par les coins. Mais... Regarde. Ah. Ah merde. Non. Oh, il va y avoir une histoire comme ça, non. Oh là là, misère. Là, je pense que tes trois là, ils vont là. Les trois là. Ils vont là, voilà. Ouais, voilà. Joli. Voilà. Donc là, quand t'as terminé, quand t'appuies, voilà. Pareil, t'as une explication. L'explication sur l'espèce. L'élément pédagogique. Elle est protégée, celle-ci. Et c'est un héron cendré, on en trouve ici au parc. Voilà. Il y en a qui se baladent.